Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Aujourd'hui, je vous parle de la rentrée scolaire et la rentrée en général pour les grands et les petits, bien sûr. La rentrée peut être une source continuelle de stress, d'anxiété et de soucis pour de nombreuses personnes. Je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour gérer au mieux la rentrée pour vous et pour vos enfants. Quand on parle de rentrée scolaire, on voit souvent le train-train habituel qui va revenir après de longues périodes passées sur la plage à bronzer ou en road trip à travers le monde, mais également la rentrée des enfants avec les fournitures scolaires et bien sûr le lever, le coucher, les repas et ainsi de suite. La première clé de voûte est l'organisation. Plus vous serez organisé face à une situation, moins vous la craindrez et plus vous pourrez faire face facilement et gérer bien sûr les stress et les aléas de cette situation-là. La première des choses pour l'organisation est de lister. Pensez toujours à lister vos tâches les plus importantes aux moins importantes. Souvent, on se fait distraire par des tâches qui sont de moins importantes, mais qui prennent énormément de temps et finalement nous laissent peu de temps pour les autres tâches qui sont, elles, plus importantes. Cela peut vous mettre dans une situation de stress et si vous n'êtes pas habitué à travailler avec l'adrénaline, par exemple, cela peut vous mettre en porte-à-faux et en défaut. Bien sûr, cela va générer des tensions physiques et émotionnelles au sein de votre corps, au sein de votre couple, de votre famille ou tout simplement dans vos relations amicales ou travail. La deuxième astuce, c'est prendre du temps pour soi. Cela paraît peut-être difficile, aberrant ou complètement impossible pour certains et pourtant c'est une des clés. Prenez toujours un petit moment pour vous dans la journée. Bien sûr, c'est le mieux, c'est de prendre quelques instants pour vous, quelques minutes pour vous dans la journée ou tout simplement ne serait-ce qu'une heure dans la semaine ou une demi-heure dans la semaine. Prévoyez ce temps dans votre planning et votre agenda et fixez-le. Fixez ce temps pour vous seul, uniquement pour vous seul. Cela vous permettra de vous ressourcer et plus on est ressourcé, bien sûr, plus on peut aller de l'avant et être moins fatigué pour les tâches à venir. Privilégiez quelque chose qui vous fait plaisir et que vous avez envie de faire. Ça peut être une séance de sport en extérieur ou en intérieur, aller boire un verre avec des amis ou voir une personne de votre entourage. Vous pouvez également lire un bon bouquin, vous relaxer ou tout simplement prendre une heure pour dormir, même si c'est en milieu de la journée. Ne vous focalisez pas sur le fait de devoir tout faire, même si je sais très bien que c'est important et qu'il va falloir bien sûr agir. Prenez ce temps pour vous, c'est très important pour la suite et pour vous ressourcer afin de vous donner plus d'élan pour faire la suite de vos tâches et bien sûr de vos objectifs. Le troisième point, c'est bien sûr la relaxation et la respiration. Vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles dont je vous ai parlé, comme le basilic que je vous ai parlé la semaine dernière ou le petit grain de biliradi que vous pouvez utiliser lors des moments de surménage et de stress. Pensez également à respirer et bien vous alimenter. L'alimentation est importante car l'été, souvent, nous faisons des excès à boissons, à alcool, nourriture un petit peu trop riche ou peu adaptée, des horaires décalés au niveau des repas et du coucher et du lever, donc c'est tout à fait normal. Privilégiez plutôt une petite semaine avant la rentrée de prévoir un temps pour vous, donc de rééquilibrer votre alimentation, bien sûr, et vos phases de repos et de réveil. C'est très important car plus vous allez être préparé encore une fois, plus vous pourrez faire face à ces situations-là. Pensez à bien rééquilibrer votre alimentation car aujourd'hui on sait que l'intestin a une fâcheuse tendance à nous jouer des tours car il est composé de neurones et nous parlons également de deuxième cerveau. L'intestin est un deuxième cerveau, un cerveau émotionnel. Pensez donc à rééquilibrer cette alimentation, évitez la junk food, les produits industriels ou trop transformés, évitez également le sucre et les alcools trop forts en quantité bien sûr régulière, privilégiez des choses modérées encore une fois et cela vous donnera en fait de l'élan pour tout simplement travailler au niveau de votre mental, oxygéner votre mental et votre façon de voir les choses et de vivre bien sûr. Une des dernières clés est sûrement la plus importante est de vous trouver un but. Le but, il va être important car plus vous aurez des situations de but et d'objectifs, moins vous prendrez la vie à contre-pied et plus vous irez dans le mouvement de la vie. Donc tout simplement privilégier une nouvelle activité sportive par exemple, des nouvelles rencontres, une nouvelle activité culturelle ou autre bien sûr selon vos envies. Voyez toujours ces objectifs à long terme, quelque chose qui vous satisfera à long terme et non quelque chose de rapide comme par exemple exemple manger ou boire des choses industrielles, passer une soirée, même si c'est très important et il faut le faire régulièrement, cela vous donne en fait uniquement de la dopamine qui n'est pas qui est un mécanisme à court terme, à très court terme pour votre cerveau. Donc privilégiez plutôt des choses qui vous donnent de la valeur personnelle pour aller de l'avant, et cela vous aidera à traverser le cap de stress de cette nouvelle rentrée. Si cette vidéo vous a plu et elle vous a aidé à mieux gérer le stress de la rentrée, n'hésitez pas à me poster un commentaire et un like. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la notification juste ici pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et de mon actualité. Et je vous dis bien sûr à bientôt.